Eh bien, nous voici au Centre culturel de Porto Vecchio, au lendemain de Noël et au lendemain donc de cette... magnifique journée rétro gaming au Centre culturel, qui avait lieu au Centre culturel donc toute la journée de 9h à 19h. Alors nous allons faire un petit retour en vidéo sur cette journée. Malheureusement tout n'a pas pu être filmé, notamment la partie concours que j'animais donc avec ma sale imitation de Guilux. Ce qui a été l'événement marquant donc de cette journée, c'était donc les concours sur Street Fighter 2 et Mario Kart Double Dash sur GameCube. Donc, vous aurez quand même une petite idée de l'ambiance qu'il y avait. Très très bonne ambiance, bon enfant, beaucoup de monde. Très peu le matin, mais l'après-midi, on a été... bombardé, on va dire, de geeks. Et non, pas seulement des geeks, mais également des enfants, des parents. Et très très bonne ambiance. Je vous propose de retrouver tout ça en vidéo. Ouh là là, c'est sur X. Attendez, je vais à l'ombre. De suite après le générique. Envoyez le générique Cognac G, s'il vous plaît. Merci. Gordon 2A pour Games 2A TV. Alors nous sommes ce matin au Centre culturel de Porto Vecchio et nous venons d'ouvrir la journée rétro gaming, hein, la journée rétro gaming 2017. Alors avec encore plus de machines que l'année dernière, plus de jeux et un peu plus d'innovation et d'originalité, comme ce simulateur maison, hein, avec le volant et le pédalier, simulateur automobile sur PS2. Avec plein de jeux automobiles, avec des Gran Turismo, tout ça. Les PS1, voilà, ici on est dans l'espace PlayStation, hein, désolé pour le contre jour. Ici on est dans l'espace PlayStation, donc vous avez les PS1. La PS2. On a aussi des vieux ordinateurs comme cet Amstrad CPC 6128. L'Atari ST. L'Atari 2600, bon, en version mini avec 100 jeux intégrés. Ici l'espace Recallbox, avec donc la Recallbox de Marco. Donc, la NES modifiée avec je ne sais plus combien de dizaines de milliers de jeux à l'intérieur. Là vous avez en démonstration la mini Super Nintendo qu'on avait modifiée, vous avez peut-être vu dans notre vidéo de tutoriel, hein, la NES PI et une mini Mega Drive maison, donc avec un Raspberry à l'intérieur et toute la collection de jeux Sega. En parlant de Sega, là vous êtes dans l'espace Sega avec la Dreamcast, la Saturn, inévitablement la Mega Drive, la Master System. Dans l'espace Nintendo, la NES, la Nintendo 64, la Super Nintendo et la GameCube. Les buts sont tellement chaotiques dans ce jeu. Avec Mario Kart Double Dash sur lequel on va peut-être faire la compétition tout à l'heure. Mais ça, on doit décider avec Marco qui va vous faire un coucou. Hello. Voilà, Marco qui est toujours là, hein, pour m'aider dans mes conneries. Donc ce matin, pas beaucoup de monde, heureusement, parce qu'on était un petit peu à la bourre. On a été obligé d'aller acheter les boissons pour faire la buvette, tout ça, de faire des crêpes. Et bon, qu'on se retrouve un petit peu plus tard pour voir s'il y a un peu de monde qui arrive. Mais je pense qu'à partir de 2h, ça va être chaud. Chaud patate.
a la chance de recevoir de super mascottes. Alors nous avons Sonic. Bonjour Sonic, bon il parle pas, il a une extinction de voix. Et Pikachu. Et Sonic, fais la boule. J'ai toujours rêvé de ça. Voilà, mais on espère les voir un petit peu plus souvent dans la journée. Et Tataillé, on sait pas trop. C'est qui déjà? C'est Tataillé. C'est Pingouin? Non, attends, ça me dit quelque chose. C'est Picsou. Non. Salomé, aide-nous. Je sais pas, non. Non, pas un jeu vidéo, genre. Non, ça, c'est la petite voleuse. Non, c'est. Kinder Pingoui, c'est ça. Ils sont les Pingouins. Ouais, c'est presque ça. Alors ça fait quoi de voir Sonic en vrai? C'est bizarre. Bravo, tu fais tomber les nerfs. Mais tu piques pas en fait. Moi je pensais que tu piquais. Mais non, c'est un hérisson tout doux. Sonic qui m'a accompagné sur tellement de parties de jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Voilà, il s'en va. Il s'en va aussi vite qu'il est venu. Ah, c'est Sonic, hein, c'est comme ça. Hein. Un super, hyper, méga Noël à tous nos amis. Et ce, pour chaque année de votre vie. Voilà, fin de la journée rétro gaming. Ça y est, tout le monde est parti enfin. Et bon, une belle journée hein, qui a eu, on va dire, son apogée au moment des concours, quand on a fait les concours sur Street Fighter et Mario Kart Double Dash. Là, c'était vraiment sympa. Je pense que tout le monde est content. Ah, vous reconnaissez ? J'ai trop joué là. Combien d'heures ? Combien d'heures? Dis-leur, combien d'heures? J'ai commencé à 9h, j'ai terminé à 20h. 21h, il est là. Ah bah alors... 9h, 21h, ce qui fait exactement 12h. 12h de jeu. Non-stop. Ouais. C'est juste à rester pour manger une pizza. Ouais, je veux. Donc voilà, il est temps de remballer. On va aller voir Marco. Il est en train d'enlever. Marco, oh. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, alors vous êtes sur Games2A TV, vous connaissez, c'est Marco. Oui, c'est moi. Ah, vous connaissez aussi Alexandre 2A. Alors Marco, c'est bien passé? Ouais, c'était génial, il y a eu du monde, et tout s'est bien passé. Donc mieux que l'année dernière? Ben, on essaie de s'améliorer. Hein. Oui, ouais. Sinon ça sert à rien, c'est pour faire moins bien. Ouais, il y avait un petit peu plus, plus de consoles, et même ceux de l'année dernière qui sont revenus, c'était cool. Mmh. Et puis bon, le petit plus qu'il y a eu, le vrai plus, c'est quand même les concours. Ouais, c'est à refaire. Peut-être plus organisé sur ça, et ça peut être cool. Voilà, donc on verra sur la prochaine édition, mais je pense qu'on refera quelques petits concours. On peut peut-être rechanger la formule, hein, à part faire, mais là, on passait d'un jeu à l'autre, c'était super. Mais c'est vrai qu'après, on s'est vite arrêté de jouer à l'un des deux jeux parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. Mais bon, voilà. Donc, on remballe. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Bon, ils sont pas très nombreux, mais bon, merci. Ah, il y avait lui. Et il y a eu Robert, qui venait, lui, il veut pas passer à la télé. De loin, Robert, merci. Merci, Robert. Donc, là. Alors, Jordan, qui a rien fait. Il a fait que jouer. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Ah ouais? On dit à quoi? Ah, mais doit être plus de soucis? Non, c'est Jordan. Hein, donc rendez-vous l'année prochaine, hein, parce que cette année, bon, il reste plus grand chose, donc on peut plus. Il reste quoi, une semaine? Il peut plus, on n'organisera rien, je pense, encore cette année. Peut-être une petite vidéo, on fera peut-être une petite vidéo de fin d'année. Merci aux 500 abonnés. On a dépassé la barre des 500 abonnés, il faut savoir, hein, Marco, on a passé 500 abonnés. Ça, ouais. Et les 30 000 vues aussi. Robert, viens, viens là. Mais il veut pas passer à la télé, Robert. C'est oui, regarde. Alors Robert, qui a été d'une aide essentielle, on est une fois de plus, j'ai envie de dire. Pourquoi une fois de plus? Parce qu'il nous avait déjà beaucoup aidé, il nous a offert beaucoup de choses, il nous a toujours en tout cas encouragé dans notre démarche. Il a de belles lunettes quoi. Il a de belles lunettes et je pense qu'il va. Ça reste ça plus qu'un ami, on va dire. Un véritable frère de manette. Voilà, c'est comme ça qu'on va le qualifier. Un frère de joystick. Voilà. Pour moi ce soir. Bon, et je ne peux pas finir cette vidéo sans remercier
nos amis les rois mages Gaspard, Melchior et Mikerinos, là, on ne sait jamais comment ils s'appellent le dernier. Donc voilà, merci à tous, merci aux rois mages.